Ils sont au total 11 sur environ 200 participants à tirer leur épingle du jeu concours « Dis-moi, 10 mots ». C'est un exercice qui permet de révéler les talents d'innovation et de créativité des jeunes à partir de 10 mots sous toutes ses formes. Une activité phare de la francophonie en vue de rehausser le niveau de la langue française. C'est un grand défi pour la francophonie de s'investir dans l'amélioration de la qualité de cette langue. C'est en cela que je salue cette initiative du jeu concours « Dis-moi, 10 mots ». Dans le cadre des événements de la francophonie, le concours « Dis-moi, 10 mots » sous toutes ses formes contribue jusqu'ici une opportunité pour l'Institut français du Bénin de renforcer ses liens avec ses partenaires francophones et évidemment avec la Commission nationale permanente de la francophonie. L'Association des professeurs de littérature du Bénin se réjouit ici de la prouesse dont ont fait preuve ses lauréats, et ce, à travers la lecture et l'écriture. Quand les jeunes s'intéressent à l'écriture, nous nous retrouvons dans un univers qui permet véritablement de promouvoir la langue française, et c'est un véritable plaisir pour l'association de contribuer un peu à cela. Chers lauréats, vous allez devenir, à partir de la fin de cette cérémonie, des ambassadeurs de la promotion de la langue française dans vos établissements respectifs. Les méritants du jeu concours « 10 mois, 10 mots » sont venus de plusieurs départements du Bénin. Ils sont appelés à relever le niveau de la langue de Molière au sein de leurs établissements respectifs.